Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Royal Casseur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. Je vais pouvoir prendre quelqu'un dans les airs. Connors. Wouhou! Complètement. Mais par contre, il y a un petit blème, c'est les. Regardez l'étoile, où est-ce qu'elles vont? Elles vont où l'étoile? Vous m'expliquez? Dans Spider-Man 2, il paraît que c'est. L'étoile, elles sont bien. Elles sont bien faites. Après, je peux faire ça. Ah non, je peux pas. Coucou! Alors. Après l'avoir fait s'évader, Spider-Man conduit Connors à son appartement, déterminé à créer un antidote pour soigner les infectés. Ok. Lol. Par ici. Je propose qu'on commence par rassembler l'équipement dont vous aurez besoin pour travailler. Voilà l'ordinateur. Pas tout jeune, mais il marche. Quelques ouvrages scientifiques par ici, pas beaucoup. Il y a un exemplaire de La vie des reptiles, juste ici. Et la télévision. Je me demande s'ils vont parler de notre petite évasion. De l'ensemble de mes travaux. Tous mes dossiers sont dans une tablette ornée d'un symbole d'Ouroboros. Mais il ne sera pas facile à trouver. Pas de problème. Je me suis déjà infiltré chez Oscorp. Je peux recommencer? Peter, soyez prudent. Si Oscorp a poursuivi mes travaux en secret, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est un sérum qui m'avait transformé. Maintenant, c'est un virus. Ouais, il paraît. Alors, prêt à jouer à Dieu? Vous me faites penser à lui. Gwen m'appelle. Gwen, je suis content. Comment il cherche à comprendre le sujet? Écoute, je suis avec Connor. Je suis Peter, toute la ville est au courant. Tu l'as aidé à s'évader de prison? C'est un hôpital psychiatrique. Tu as perdu la tête. Tu sais ce que Connor a fait à cette ville. C'est lui qui est la cause de tout ça. Et c'est lui qui peut créer un antidote. Ce n'est pas le lézard, c'est le docteur Connor. Où le vent. Gwen a connu des moments difficiles. J'ai tué son père, Peter. Vous n'avez tué personne. C'était le lézard. J'aimerais croire. J'aimerais croire. Aïe. Normalement, on débloque un nouveau costume. Ah bah ils sont tout rest ils sont restés tous mes costumes. Ah cool. Alors, regardez, je vais tous vous les montrer. Ça c'est l'homme araignée mutant, celui que j'aime le moins. Un casque noir classique. Je trouve qu'il est pas mal, il est beau. Future Fondation, il est pas mal. Avec les quatre fantastiques. Il y a le Big Time, un de mes préférés. Costume classique. Le beau. Attends. Celui-là, c'est le plus pourri.
Enfin, non, les plus pourris, c'est l'homme araignée mutant. Et en deuxième place, nous avons le costume de justicier de Spider-Man. Allez, dans la prochaine vidéo, on mettra le futur fondation. Mettra le futur fondation. Dans celle-là, dans cette partie-là, on mettra le costume noir. Mais oui, allez, monsieur. Dites-moi ça dans les commentaires. Attendez, ça fait 5 minutes. Ah, mais là, il y a encore 2 minutes. Allez. Normalement, je peux écouter leur conversation. Normalement. Bah, j'ai pas encore eu le temps de les essayer. Mais c'est le moment ou jamais, hein. Je vais faire un petit détour en allant aux archives de Scorp. Crash, j'adore ce costume. Et bon, après, c'est pas mon truc. Alors. Continue ça tout de suite. Désolé si ça bug un peu. Après, c'est qu'une tablette. Hein. Enfin, justement, c'est une tablette. Ah, mais par contre, il me faudrait le truc. Je sais pas. Comment dire. Oh merde. Il y a un truc fait exprès pour la vidéo. Allez. C'est pour ma collection. Pour ma collection. La chasse aux antennes est ouverte. Wouhou! Les trois pour obtenir les coordonnées. Magnifique, regardez ça. On dirait l'œil de faucon. C'est bon, on a compris le truc. Hein. On a compris le principe, on n'est pas con. Hein. D'ailleurs, adaptation du rhino, du lézard, de... Enfin, pas du lézard. Comment... Comment dire, putain. Ah, c'est pas la même adaptation. Le scorpion, le rhino, l'iguane, c'est pas du tout la même. Alors, regarde comment il monte. On fait, allez. Une petite mission. Ok. Il me donne des trucs à faire des bastons. Ah, le rhino. Après, ça va être la fin de cette vidéo. On bat le rhino. Et c'est là qu'il y a un petit contretemps. J'essaie de le battre. Si j'arrive à le battre du premier coup, vous me faites péter la barre de pouce bleu. Enfin, pour un petit abonné comme moi. Youhou! Attends, frappe de toi vite, vite. Voilà. Va te faire que... Putain. Voilà. Putain, il est relou. Putain, vas-y, mais à chaque fois, j'y arrivais. Wouhou. Et bah voilà, du premier coup. C'est pas trop, je l'ai battu. Allez, faites-moi péter la barre de pouce bleu, comme je vous l'avais dit. C'est tout ce que tu sais faire ? Il est où ? Ça fait bien enfoncer. Bon, bah ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. D'ailleurs, normalement, c'était le petit deal. Vous faites ce que vous voulez, vous vous abonnez. Allez, c'était Royal Casseur. Et à plus pour une prochaine vidéo.
Attendez, on va se quitter sur ça, sur une page de comique. Ciao tout le monde!